c'est chez lui que devait travailler ton frère. Hein. Il avait besoin d'un jardinier. J'en avais parlé à Épée. Mais le bon monsieur, le bonhomme, il avait trouvé que c'est trop petit pour lui à être jardinier. D'ailleurs, ce que tu as au fond de toi là, ce que tu as dans ton ventre là, j'ai le double de ça. Je n'ai pas peur de tes menaces. Je te dis que j'ai le double de ça. Par conséquent, tu ne peux rien me faire. Essaie encore. Tente encore de poser même sur ma fille. Tu te rappelles que c'est pas moi qui ai tué ta mère. Sharon. Sharon, ça ne va pas là? Tu es devenue fou, folle comme ton bailleur d'Atana. Comment ça? Parce que j'ai besoin de toi et puis tu crois que je suis folle? Je n'ai pas de plaisir à te livrer là tout à l'heure. Et si tu me touches encore, je vais te prouver que je suis Zozo Lafayette. Oh oui, et ça c'est toujours ce que j'ai toujours dans. We can get the drama poppin', we don't care. It's going down, cause I'm around. 50 Cent, you know how I get down, down. What up, blood? What up, cuz? Hey, Françoise, c'est toi, maman? Hey, ça fait longtemps, oh! Tu sors où comme ça? Sabina, je sors du village. Hey, je suis contente de te voir. Pardon, viens t'asseoir. Ok, porte ma lampe. Malam voit tout. Malam dit tout. Ça reste toi maintenant réfléchir quoi va faire toi, que quoi va faire. Toi compris moi? Oui Malam. Oui. Oui. Bon. Malam. Toi va partir. Pour ton problème là. Moi voilà l'enfant dans ta ventre toi. Enfant. Enfant mari sœur de toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai, madame, vrai. Et qu'est-ce que je peux faire, madame? Ça dépend de vous. Si vous voulez rester avec monsieur là, parce que moi, je vois que monsieur là aime vous aussi bien et vous aussi aimez monsieur là bien. Oui, madame, c'est vrai. Si vous voulez que vous restez ensemble, vous passez une vie bien, toi, va partir finir avec ce que moi donné toi là. Oui, madame. Toi, va voir quand ça va marcher bien. Toi, va revenir. Moi, va arranger ton problème avec ton type là. J'ai confiance. Tu as compris? Madame. Oui, madame. Bon, tout, et puis tu vas partir. Tu fais comme j'ai dit toi. Tu as compris? Je mets dans le sac. Mets dans le sac. Et que personne ne voit pas ça. Tu as compris bien? Oui, madame. La nuit, quand tout le monde dort la maison, oui, madame. Tout sort. Oui. Tu appelles le nom de ton sœur là. Oui, madame. Une fois, tu asperges. Deux fois, tu asperges. Trois fois, tu asperges. Jusqu'à neuf fois. Oui, madame. Tu jettes le papier là-bas. Tu vas dormir. Tu vas avoir miracle. Madame, vous prenez combien? Donne ce que tu peux donner pour mon baba. Baba travaille, travaille bon cœur. Et prend seulement ce qui est nécessaire. Tu comprends, non? Oui, madame. Madame, là-bas. Ma copine m'a tout raconté. Je sais que vous êtes fort, madame. Mm. Donc, je vais vous donner ce que je peux vous donner. Et je crois que je vais retrouver ma soeur. Vous faites ça la nuit aujourd'hui? Oui, madame. Moi, promis, vous, demain matin, votre soeur vient à la maison. De son pied elle-même. Oui, madame. Oui. Baba ne fait pas le mauvais travail. Baba fait bon travail. Oui, mets l'argent là-bas. Vous pouvez partir maintenant. Merci, merci madame, merci beaucoup. Merci à Baba. Merci à Baba. Merci beaucoup. Vous pouvez partir. Merci madame. Comme moi dit vous aujourd'hui là, demain matin, votre sœur va venir à la maison de madame, j'ai confiance. Il y a une matinée. J'ai confiance. Vous pouvez partir. Merci beaucoup. Mais quand vous êtes prêt, vous venez pour le travail de toi et le mari de ton sœur là. Oui, madame, je vais venir. Je vais venir. Vous pouvez partir. Merci. Ça va. Quand tu fais, là tu fais. Tu fais. Tu fais. Tu fais. Tu fais. Tiens ton bain donc. Maman, tu as vu ta tante? C'est vraiment sauce. J'ai appris que tu as conçu une belle petite maison en dur. La baraque que je suis en train de faire là. Tu appelles quoi baraque? En tout cas, Sabine, c'est pas ce qui m'a amené ici chez toi. J'ai un problème trop grave. Pardon, Françoise, ne m'effraie pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas tes jumelles là.
tes filles là, ça fait longtemps que je ne les ai plus revues. Hein. Elles ont quel âge maintenant? Mais elles ont déjà 15 ans. Waouh! 15 ans déjà? Elles ne veulent même plus aller à l'école. Seigneur! Mais pourquoi? Elles me demandent de leur présenter leur père. Tu te rends compte? En fait, qu'est même leur père? Sabine, là c'est une longue histoire. En tout cas, montre-moi d'abord le lit. Je vais te raconter tout ça après. Je veux m'en épouser. Pone matumba, di pona ni nembale. Lembuli wase moli matopoto. Coquette! Coquette! Madame! Pourquoi il faut toujours qu'on t'appelle deux fois pour que tu répondes? Madame, je t'en prie de travailler. Est-ce que tu as lavé les habits de Zozo que j'ai laissés sur le lit là? J'ai tout lavé, madame. Vraiment, coquette, je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens vraiment pas bien. Je suis passée chez le docteur. Il ne m'a même pas dit ce que j'ai, mais il m'a donné quelques calmants. Là, il a prescrit une ordonnance. Tu vas aller dans mon sac au chevet du lit. Il y a 20 000 francs dedans et puis il y a l'ordonnance. Tu vas à la pharmacie. Il faut que je prenne quelque chose de... Il faut que je me calme. Quelle pharmacie? Ah, à n'importe quelle pharmacie, non, coquette. C'est Yaoundé. Tu te rends à la pharmacie la plus proche, là, à essence, et puis tu me prends des trucs. Et qu'est-ce que tu as fait à la cuisine? J'ai préparé du bon blé. Avec du plantain. Non, 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 je veux un truc léger, un bouillon de poisson. Oui, il y a des trucs au freezer, au congélateur, il y a quelque chose. Je pense bien. Oui, fais-moi aussi un bouillon. D'abord la pharmacie et puis après tu viens faire cuire le bouillon. Ok, madame, j'ai compris. Merci beaucoup. François, hier, tu as promis me révéler l'identité du père de tes enfants. Il s'agit de qui? Tu le connais très bien. À l'époque, c'était un très bel homme. Trop gentil. Un jeune fonctionnaire. Il m'a quitté, disant qu'il ne peut pas encore assumer la responsabilité d'une femme. Il s'agit de qui, Françoise? Quand il m'avait abandonné, Sabina, j'avais un retard de quelques semaines. Zozo. Oui. Zozo, réveille-toi. Il est 6 heures. Déjà? Mais c'est vrai que... Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai dormi? Quelle heure? Mais il est déjà 6 heures. Tu ne voulais plus que le jour se lève. Mais
ce chéri avec cette nuit mouvementée qu'on a eue. Il faut dire que c'était pas facile. Hein? Mais je t'ai observé toute la nuit là. Tu n'as pratiquement pas fermé l'œil. Qu'est-ce qui ne va pas? Habituellement, c'est quand tu as des problèmes que tu as des insomnies comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon chéri, tu voulais que je dorme comment? Ton affectation, ton déplacement. Je t'ai dit de ne pas t'en faire. L'affectation sur Limbe n'est que provisoire. Je vais juste aller à Limbe prendre service. Et je crois qu'après 3 ans de service là-bas, je pourrais demander encore l'affectation pour revenir sur Yaoundé. Je ne veux pas dire où ça va prendre ça, chérie. Et moi, je viens de faire quoi? D'accord, chérie, tu m'amènes, non? Non, chérie, je ne peux pas te tromper. On ne peut pas aller. Hein? On ne peut pas aller. Je n'ai pas encore de salaire. Tu n'as même pas un numéro matricule qui permet de toucher, d'avoir un salaire. On va vivre comment, Aline, chérie? Comprends-moi. On ne peut pas. On va vivre comment, Aline? Chérie, je serai là, je vais toujours t'accompagner. Tu ne seras pas seule, je serai avec toi. En tout cas, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose à me dire? J'espère, chérie, que c'est une bonne nouvelle. Parce que moi, maintenant, avec les mauvaises nouvelles, je ne tiens pas le coup. Bon, tu me donnes un instant. Je vais aller me mettre à l'aise. J'ai la vessie qui est pleine. Je ne sais pas comment tu vas prendre la nouvelle. Mais vas-y toujours. Je suis enceinte. C'est quoi? Françoise, tu es enceinte? Tu es enceinte et tu attends le dernier jour pour me le dire. C'est pas vrai, Françoise. Chérie, excuse-moi. J'aurais dû te le dire avant. Il n'y a pas d'excuse qui tienne, Françoise. Il n'y a pas d'excuse qui tienne. Comment est-ce que tu t'es permis de tomber enceinte sans mon accord, Françoise? Hein? Comment ça sent ton accord? Comment sent ton accord? Hein? En faisant l'amour sans préservatif, tu t'attendais quand même à ça, non? Ça n'a rien à voir. François, ça n'a rien à voir, hein? Et puis, qui me dit que cet enfant est le moi? Zozo, c'est à moi que tu parles comme ça? Oui, qui me dit que cet enfant est le moi? Dis-le moi, que tu me le prouves. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi-même, je veux m'occuper de ma justice. Il n'y a pas de problème. Voyage bien. Non, François, reviens là. Reviens là, pardon, je t'en prie, reviens là. Françoise! Oh, c'est bien. Il s'agit de qui? Ne me laisse pas languir, Françoise. Je suis vraiment dépassée. J'avais gardé cette grossesse pendant 9 mois. Juste à ce que j'ai accouché Perrine et Sandra. Il s'agit de qui, Françoise? Ne me laisse pas languir. 3 ans plus tard, j'ai appris qu'il a épousé ma cousine. Qui est aussi ta cousine? Tu la connais très bien. François, je suis fatiguée de tes histoires. Hein? Ça, comment tu commences déjà à m'énerver? Il s'agit de qui?
Mais il s'agit de Marie-Inès. Toi, c'est pas vrai. Ne me dis pas que Zozo est le père de tes jumelles. Seigneur Jésus. Effectivement, c'est lui le père de mes enfants. Mais Françoise, tu peux tuer quelqu'un. Tu as gardé un secret aussi lourd pendant 15 ans. Tu as parlé de ça à qui d'autre? À personne, Sabine. À personne. Tu es la seule personne à qui je viens de me confier. Hey! Françoise, tu peux tuer quelqu'un, ma soeur. De l'argent là, tu me donnes ton aide de l'argent. Qui donne l'argent alors? Je suis foiré. Je n'ai que crébu m'a mis à terre. Comme tu sais, c'est quand tu vas seulement chercher à te dire. Mais toi, je t'ai cherché l'autre jour. Tu sais. Tu me cherches, je te dois quelque chose. Tu es sorti là, bizarrement habillé, comme si tu allais manger dans les quartiers des marabouts là, mais tu cherchais quoi? Tu connais comment s'habiller pour aller chez les marabouts? Non, ça veut dire que tu y vas se vendre. De toutes les façons, il y a ce qu'on appelle l'intuition. Ah. J'ai une intuition. Quand ça ne va pas, je commence à imaginer les choses. Et à propos de ta soeur, là, tu as fait d'autres recherches pendant que j'étais à crédit. Justement, je suis sortie l'autre jour pour aller voir un marabout. Viviane m'a parlé d'un marabout. Oh, God. Le marabout peut servir à quoi dans ce genre de problème? Un marabout, c'est lui qui va ramener Marie-Inès là où elle est en train de se chercher là chez ouais, je ne sais pas chez qui. On a tout fait. Donc tu sais qu'on a tout fait. On allait dans les hôpitaux comme ça. Il y a pas, on n'a pas pu trouver une solution. Il faut aussi tenter, il faut aller chez le marabout. On ne sait jamais. Bien. Il bon. Peut trouver solution à notre problème. Et qu'est-ce que le marabout a dit? Bon, le marabout m'a donné, je ne sais pas, un truc là où il m'a demandé de venir asperger ici à la maison. Chez qui? Mais dans cette maison. Chez qui? Asperger, de tout laisser chez moi. Mais je dis, hein, ça ne va pas là. Attends, c'est ce genre de truc qui amène la malchance là. Tu appelles asperger ça où? Attends, tu veux retrouver Marie-Inès ou bien tu ne veux pas? Oui, mais pas de cette façon là, en allant consulter les marabouts. Ta Bible là, elle sert à quoi? Tu peux pas prier pour que Marie-Inès revienne? On prie et on consulte les marabouts. On ne sait pas. Ah, on mélange le feu et l'eau. Qu'est-ce qui arrive? Le feu s'éteint. Hein? On cherchait partout. Vraiment, Nina, je commence à avoir peur de toi. Hein? Tu vas déjà chez les marabouts? Tu es devenu comme. La mère de celle qu'on appelle les Yanga là. La coiffeuse là, elle t'a pas mis un produit pour t'enlever les pellicules là. C'est plein là, on dirait le couscous. Mais seulement, au contraire, elle a plutôt aggravé les pellicules. Attends, on va acheter un produit, c'est pas un problème. Mm-hmm. En parlant de produit, s'il te plaît, j'aurais besoin d'entrer dans votre chambre. Pour faire quoi? Il y a un truc très précieux, qui m'est très précieux, que j'ai caché dans votre chambre là. Mais s'il te plaît, ça reste entre toi et moi. Il ne faudrait pas que tu dises à tes sorcières de belle sœur là. Donc en fait c'est et moi on a caché un des pistolets que les policiers avaient couru ici. Quoi? Un pistolet? Doucement, c'est comment? Qu'est-ce qu'il a crié comme ça? Doucement. Pardon, moi je n'ai pas envie d'aller en prison. Il n'y a pas de prison là toi aussi. Tu pas, on n'est pas parti, on n'est pas revenu. Dernièrement je suis parti en prison, je sais même pas ce que mon casier judiciaire va dire là-bas. Stop. Zozo, je l'ai fait pour ton bien, pour mon bien et pour le bien de Marie-Inès. Mon bien ne se trouve pas chez les marabouts. Ton remède, tu vas le faire seul. Et je ne veux même pas en entendre parler. De toutes les façons, je voulais te dire une chose. Hier, il y a eu quelques catastrophes ici. Il y a cette dangereuse qui est venue et qu'on appelle coquette. Et qui n'est vraiment pas coquette. Il y a eu également Eyanga. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas te maîtriser, toi? Me maîtriser pourquoi? Hein?
Pourquoi me maîtriser? Marie Inès n'est pas là. Si je me maîtrise, toi, cette maison va ressembler à quoi? Une bordel. Tu as peur de quoi? J'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? Zozo, je te connais et je connais tes plans. Comme Coquette est venue et Yenga est là, Marcel est là et sa voisine du quartier qu'elle veut te donner. Mais là, tu me demandes, j'ai peur de quoi? Mets-toi en tête que si Marie Inès part, c'est toi qui seras ma femme. On l'a dit, on l'a répété. C'est toi que je veux épouser. Laisse-nous ces histoires de marabouts qui ont fait que, de toute façon, je vais au bureau là, je vais me changer, je vais rapidement partir au bureau. Je voulais juste te dire que si Coquette ou encore Yenga te provoque, ne réagis pas. C'est ça, elles sont en train de te pousser, hein, de te pousser à bout là pour que tu réagisses et qu'on dise que c'est toi. Zozo, si tu ne veux pas que je réagisse, demande à ces pembèches de ne pas me provoquer. Écoute ce que ça veut dire. Comme Pépé va entrer tout à l'heure dans la soirée, tu vas me donner, j'aurais besoin que tu me fasses entrer dans votre chambre pour que tu récupères ça. Non, moi je ne peux pas, franchement. Moi, j'ai d'abord dit ça à Sharon, je ne veux pas de. Tu peux dire à Sharon, viens tranquille, c'est comment? Tu peux dire à Sharon quoi? Bon, en fait, je disais donc. Je vais entrer là-bas, je vais récupérer ça, tu vois un peu, non? Mm-hmm. Parce qu'il faudrait que quand elle va revenir, et puis moi, on reprenne du travail. Tu vois un peu? Non, moi, je ne peux pas m'associer avec vous, avec les affaires de pistolet encore dans cette maison. Je ne veux pas. Tu vas nous associer avec nous avec quoi? Les affaires de pistolet et compagnie, c'est pas que ça sera plus le pistolet, ça sera encore le banga dans cette maison. Moi, je ne veux pas de problème. Et arrête de richonner, de richonner comme tu es en train de faire là. Bref. Tu es là, tu es en train de bavarder, même tu bavardes, tu vas nous dénoncer chez Sharon. Tu crois que l'enfant que tu as dans le ventre et puis va faire la lienne de cet enfant avec quoi? Mais mon enfant que tu vas avoir nos copains, est-ce que c'est Epé qui doit souvent s'occuper de l'enfant? Tu fais donc quoi là? C'est Epé pour avoir, ton enfant pour avoir notre père. Je suis en train de chercher comment faire avec mon enfant. Je te rappelle, fille, madame, je te rappelle que tes parents t'ont foutu dehors. Là où tu, là, tu ne peux que compter sur Epé. Tu vois qu'il a un travail. Hein? Mais et puis là, non, son ménage n'a pas beau fréquenter. Donc tout ce qu'il peut faire, son cerveau est rempli de sable. Tout ce qu'il peut faire, c'est de braquer. Mais il peut chercher un autre travail. Je vais l'amener à chercher un autre travail. Quel travail? Tu parles de quel travail qu'il peut pourrait faire? Tu vois, je m'habille comme une star, je suis belle, j'ai les greffes et tout. Tu vois, c'est quoi qui me donne cet argent? Tu vois, j'ai les shows. Ma chérie, c'est ce travail qui me donne de l'argent. Tiens-toi bien, ce travail qui va nourrir ton enfant qui est en train d'arriver. Tu me racontes quoi? En tout cas, moi, je ne veux pas le connaître. J'irai dire ça à Sharon. Hé, madame, tu t'as scié. Tu t'as scié et je n'ai pas fini avec toi. Tu te tiens tranquille. Et s'il te plaît, je te le dis en te disant s'il te plaît, parce que je serai très méchante bientôt. Tu fais l'erreur de mouchader ne serait-ce qu'un seul mois à Sharon. Ne te dérange pas. Aïe, tu auras affaire à moi. Kevin, tu m'as fait mal. Et justement, je te ferai plus mal que ça. Arrête, j'ai compris. Tu arrêtes. J'ai compris. Tu m'ignores, arrête, tu me fais mal, s'il te justement, plaît. Justement, je te ferai plus mal que ça. Tu mouchas, ne serait-ce qu'une seule lettre de cette conversation. Je te promets, tu auras affaire à moi. Je ne dis rien. Sorte. En tout cas, je dirai à Sharon. Sale peste. Cette pimpèche qui s'appelle et qui apporte mon enfant. C'est pour ça que je demande qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Qu'elle se maîtrise elle aussi, si elle sait qu'elle porte un enfant. Parce que pour moi, là, ce n'est pas un enfant qui est dans ce. En tout cas, moi, je crois qu'il y a un autre problème. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des cousines comme vous, là, vous êtes dans le même village à Ebam, vous voyez comme deux ennemis, je ne sais pas quoi. Nous sommes des ennemis. Nous sommes des ennemis. Qu'elle se maîtrise, parce que qu'elle ne se maîtrise pas, ce qui est dans son ventre, là, ce n'est pas un enfant. Je vais faire sortir ça. En tout cas, j'ai compris. Je vais essayer également de vous en parler. Si vous ne vous entendez pas, je serai obligé de prendre des mesures draconiennes. Parce que ici, ce n'est pas la cour du roi Pétou.